pitié, mon Dieu, mon Yari, tu as de quoi fofo. Poto! Kokumbo, Kokumbo, Kokumbo! Kokumbo! Why are you going to? Why are you going to? Tu ne connais rien. Je suis en train de partir à Yaoundé. C'est pas procès. Quel procès? L'Ouamop. Quand il s'agit de partir à Yaoundé, nous ouvrons de bouche pour nous pour dire que le procès. Ne tente plus ça. Tu as compris? J'ai compris, papa. Je suis en train de partir à Mokoro. Où? À Mokoro. À Mokolo. Au marché Mokolo. À Mokoro, en face. Supermarché d'Ol. À Mokolo. Voilà. Au centre commercial. Booms. Moi-même, papa. Parce que nous. L'association des gens qui ont les cartes, les répétitions périmées. Les récépissés périmés. Voilà. L'association des gens qui ont ce que tu as dit, la périmée. Les récépissés périmés. Voilà. On a organisé le football. Les gens qui ont les récépissés de 3 ans vont jouer avec les gens qui ont les récépissés de 4 ans. Les gens qui ont les récépissés de 2 ans vont jouer avec les gens qui ont le récépissé de 1 an. Moi-même, papa. Et pour jouer, on a dit que non, il faut que n'importe qui porte le maillot. Oh, à nos sports, c'est Dieu qui a donné ton métier. En anglais, on dit esezolanafo, parce que ta manière de choisir les suvettes, les maillots, les basses, on connaît directement que non, toi-même tu es sportif, oh mon joulet. Parce que tu ne vends pas le genre de maillot que on appelle au quartier pétrole. Le genre que tu portes sur toi, tu veux jouer, c'est comme si on a allumé le feu sur toi. Papa, si tu es à Yaoundé, Mbalmayo, Ntui, Mfou, bref, Yaoundé et ses environs. Toi qui es chargé de sport, toi qui veux organiser des championnats, toi qui es chef des établissements, toi qui aimes le sport, papa, à nos sports est là pour vous. À nos sports connaît sa tête dans les maillots. À nos sports connaît sa tête dans les suvettes. À nos sports veut que tout le monde joue. Comme Malcolm Bokele, comme Morgan Bokele, comme Oman Biyik, comme Kana Biyik. Toi, je dis toi, qui veut organiser les championnats dans ton village, dans ton quartier, tu ne connais pas là où trouver le maillot. C'est chez à nos sports. Maman, tu papa. J'ai dit que ouais, je veux aller où? Prendre le bon maillot. Quelqu'un m'a dit que passe à nos sports. J'ai dit que c'est où? Il dit à Yaoundé. À Yaoundé. J'ai dit que ya. Est-ce qu'il vend le bon maillot? On m'a dit que non. Cet enfant, il connaît choisir son métier. Oh mon Dieu, papa. Yeah! Quand je suis arrivé, tous les maillots que j'ai vus, j'ai dit que, attends-moi, je viens acheter ma passe, au moins 200 maillots que je veux acheter, rien que pour l'équipe de ce quartier. Des 104. Oui, l'équipe de ce quartier. Des individus non identifiés. Voilà. Avec les répétitions périmées. Des individus non identifiés. Oh mon Dieu. Même un jour, papa. Même un jour. Donc, pour le quartier, si on part dans l'autre quartier, créer l'autre championnat, non? Ça doit dépasser même la Coupe du Monde. Même un jour, papa. Il y a là les équipes de 35 et joueurs. Au moins 367 équipes. Sans compter les supporters. Les supporters seraient aussi les gens qui n'ont pas de carte d'identité. Ils auront toujours les répétitions périmées. Même un jour, papa. Donc, je suis. Demain, les supporters
seront les gens qui ont... Non, les supporters auront, seront les gens qui ont les PCC périmés. Même tu vas pas. Parce que si on dit que non, les gens qui ont les cartes viennent supporter, hein, et il n'y aura pas même 200 personnes. Oui, oui. Et si tu dis que les gens qui ont les répétitions, non, c'est plein. Parce que quand tu prends l'exemple, tu prends un bus de 75 places. Même tu vas pas. Et tu veux, on veut contrôler les cartes d'identité. Tu vois, autre 10 personnes. Qui ont les cartes d'identité normales. Même tu vas pas. Le reste là, spécial, le PCC. Le PCC permet. On a mis le cachet, quand même le cachet est fini. Il n'y a plus d'espace. On a déjà collé le papier, tapé le cachet, collé le papier, tapé le cachet, collé le papier, tapé le cachet, collé le papier, tapé le cachet. Le cachet. Même tu vas pas. Les autres ont même dit que. J'ai pas pu comme ça, là. Je ne tape plus ça. Voilà. Même tu vas pas. Maman. Tu sais, je cours parce que si toi, tu veux aussi acheter le maillot, tu arrives à Mokoro. Écoute-moi très bien. Tu arrives à Mokoro, en face supermarché d'offres. Tu vas voir devant toi, on a écrit centre commercial Booms. Tu prends les escaliers à ta gauche, là où on vend les godasses, là. Tu descends les escaliers, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde tout droit au fond. Tu dois voir la plan publicitaire. Qu'on a écrit sur ça, Arnaud Sport, il vend en gros. Ils vendent en détail. Et aussi pour les femmes. Il y a tout. Les chevettes. On dit ça. Les chevettes. Voilà, les chevettes. Les godasses. Les chapeaux sport. Il a tout ce qui concerne le sport. Même son excellence, moi, le Komi. Il achète souvent ses vêtements là-bas. Je parle comme ça, là, du ministre, non? Ah, monsieur le ministre. Le ministre de sport. Ok. Donc, je suis comme ça en train de partir. Quand tu regardes au fond, tu dois voir boutique numéro 8. La porte est noire. Leave me I go. Donc, je suis comme ça en train de courir sur Yaoundé. Prendre le maillot. Bye. Tu me regardes ma part de maillot, Tu as pas. Tu as pour nous deux.